Io sono Inca ed ecco il mio maestro Daniele. Ora farà un anno che vivo con lui. Sono ancora un giovane cane, ma ho già molte cose in testa. Grazie all'associazione Le Copain sono diventato un cane ancora più unico. Sotto le mie arie giocatori e malizioso, ho imparato a prestare molto attenzione a Daniele e non sono mai lontano da lui. Dalla mia sistemazione, Daniele è sempre restato in contatto con l'associazione. Ma che sta cercando di mostrarmi? Ecco il piccolo ultimo, si chiama Opus. Sarà messo durante 15 mesi nella famiglia Dyer a Champéry. Sarà il suo primo focolare ed anche la prima volta che la famiglia accoglie un cucciolo. Bon, une chose peut-être importante au départ, c'est Opus, hein, c'est pas mon chien-chien, c'est Opus. Opus. Et chaque fois avant de lui donner un ordre, c'est son nom, toujours. Et l'ordre, derrière, c'est toujours quelque chose de sympa. Hein, c'est assis, couché, il n'y a pas besoin de crier. Hein. Là, c'est son jouet, maintenant, vous tenez le jouet, le chien il est là, et le chien tire, vous lâchez le jouet. Vous ne courez pas après le chien pour récupérer le jouet, s'il vous plaît, parce que là, je vous étrangle. Le chien, il va trouver ça super génial et il va vous courir 15 fois autour de la table ou dans le jardin. Et il court forcément toujours plus vite. Caterina, Gianmaria e i loro bambini hanno bene integrato Opus nella famiglia. Attira l'attenzione di tutti. Opus, no? No. No? Dopo appena alcune settimane ha già assimilate alcune azioni di obbedienza. Certamente, come tutti i cuccioli, adora ancora fare sciocchezze. Donc ce soir, il faut qu'on prenne les friandises. Mais on prendra pas le truc long parce que sinon ça va pas marcher ce soir. Il va faire que manger, il va rien pouvoir travailler, papa. Mais moi, c'est un truc que tu as demandé, ça. Quand est-ce qu'on doit donner les petites récompenses et les grandes récompenses? Ça, je n'ai pas demandé. Mais je suis pas sûre que notre chien fasse la différence entre les grandes et les petites récompenses. Il se contente des petites récompenses. Du moment que ça se mange. Certamente, le famiglie non sono consegnate a se stesse e devono regolarmente portare i cuccioli ai corsi per continuare a sociabilizzarli e abituarli all'esterno. Allora, dei primi jouets, je vais vous mettre un carton. Vous allez mettre simplement des croquettes dedans. Voilà, tu peux mettre par terre. Voilà. Puis on le laisse chercher. C'est très bien. Maintenant, on laisse le chien. On peut s'occuper du sien, mais pas celui des autres. On nourrit en tout cas jamais les autres chiens. Simplement, si ça vient trop fort, on les séparera. Mais. Eh bien. Alors, on va peut-être commencer juste un petit peu par de la marche en laisse. Ouais. Donc je vais avoir besoin de figurants du coup. Si vous pourriez vous mettre une personne par ligne. Marche un peu plus vite. On va serrer le cercle autour du chien. Pas bouger. Mais seulement. Non, c'est pas grave. Ah. Pas bouger. Pas plus. Voilà. Pas bouger. Mais comme tu. Oui. Pas plus, pas bouger. Pas bouger. Voilà, super. Alors, il faut le laisser un petit peu libre. Voilà. Ouais, là, il a. Voilà, alors, opus. Opus. Coucou. Tiens. Non, je sais pas. Tiens. Oui, c'est bien. Allez, viens, opus. On y va. Pas toucher, opus. Ouais, bravo. Tiens. Voilà, super. Essere un cane d'assistenza è il quotidiano per me. Ma prima di poter portare oggetti a Daniele, ho dovuto fare un apprendistaggio. È perciò che all'età di 15 mesi le famiglie di accoglienza riportano i cani a Grange. È un po' come il nostro primo rientro a scuola. Bonjour. Ok. Ah là, bien.
Alors, le vaccination, le CD pour les photos. Tu vois, on prend la cuisine. Ouais, je pensais que ça serait plus. Non. Voilà, ouais. Il y a deux, trois. Il y a le restaurant. Il reste du kick-back parce que je viens de lui faire le Mathias. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, Rafa. Tutti questi momenti mi ricorda che ero molto bene circondato, grazie alla famiglia di accoglienza e agli insegnanti dell'associazione, tutto essere adottato da Daniele. Siamo incontrati per la prima volta in occasione del corso di formazione. Uno dei più belli ricordi per me e anche per gli altri cani della mia classe. Des croquettes. Et puis si on se trompe, c'est pas grave. Inca. Tire. Tire. Voilà. Et il prend les trucs en tissu comme ça. Oh, il a fait ça super. Inca apporte. Inca apporte. Ici. Oui, 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 oui.
Tu sais le faire. Cup. Oui, ça c'est fait. Kaya, apporte le fond. Oui. Non, le fond. Kaya, apporte le... Non, apporte le fond. Kaya. Non, non. Apporte le fond. Oui, viens, viens. Oh, danda, c'est brave. Ja, einfach ein bisschen Raum, weißt du, wenn man geschwistert die umeinander sind. Für uns alle ist dieser Tag etwas Besonderes, denn wir feiern bei dieser Übergabe ein besonderes Jubiläum. Come mi sento bene qua. Non mi vedo essere con un'altra persona che Daniele. E Daniele neppure. Non lo vedo con un altro cane. Tutti i compagni e il loro padrone formano duetti unici. Io sono Lewis e la mia giovane maestra Vera, 11 anni. Non soltanto sono un lavoratore ideale per i bambini, ma sono anche un sostegno enorme per i suoi genitori. Mamma! Hast du Hausaufgaben vergessen? Aber schick doch die Lehrerin ab. Okay. Très bien, apporte. Ah, très bien. Si bien. La mia vita è molto pacifica qua. Ricevo molto amore e tanto dolcezza di Vera ed abbiamo anche molto molto complicità. Io sono Cookie e la mia maestra Connie. Con lei non mi annoio mai, anche se è in una sedia a rotelle, è una persona molto dinamica e adora uscire con me e farmi correre. Da quando sono stato adottato, Connie ha ritrovato tutta la sua autonomia. Ora non ha quasi più bisogno di essere aiutato dal suo marito. Cookie, tira. Tira. Tire. Tire. Voilà, merci. Tire, tire. Merci. Cookie, cherche à porter pantoufles. Merci. Apporte l'autre.
Merci, fine pure. Anche quando non faccio nulla di speciale, passo il mio tempo da giocare e Connie gradisce molto approfittarne. Il è où? Il è où? Cherche la balle. Non, sprung, 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 yeah, sprung. Oh. En apparence, Lisa Zeller ne souffre d'aucun handicap. Chez elle, ce ne sont pas les muscles qui dysfonctionnent, ni les articulations, c'est le cerveau. Depuis 7 ans, cette Argovienne souffre de narcolepsie sévère. À tout instant, son cerveau peut commuter en mode sommeil profond. L'endormissement peut survenir au milieu d'une activité, en marchant ou en parlant. Parfois, l'activité se poursuit, machinalement. Parfois aussi, Lisa s'effondre sur le sol, en état de cataplexie, incapable de bouger le moindre muscle. Avant qu'elle ne rencontre Chester, il lui était donc impossible de sortir sans être accompagnée par son mari, sa fille ou un ami. Ça va ? Oui. Depuis 2 ans, tout a changé. Chester veille sur elle en permanence, à la manière d'une sentinelle. Le travail le plus important, à mon sens, est le fait qu'il puisse anticiper les cataplexies. Pour moi, c'est une aide tellement importante. Maintenant, je n'ai plus d'accident parce qu'il peut me prévenir à l'avance, 1 ou 2 minutes avant. Avant Chester, je me suis parfois fait voler mon porte-monnaie ou mon portable. Tandis qu'avec ce chien noir, on me respecte et ça n'est plus jamais arrivé qu'on essaye de me prendre quelque chose quand j'étais impuissante sur le sol. Personne n'est capable d'expliquer comment Chester devine la venue d'une crise. Quel signe annonciateur il parvient à déchiffrer dans le corps de Lisa. Peut-être un changement d'odeur, mais cela reste une hypothèse. Le fait est qu'il ne s'est encore jamais trompé. Che avventura! Ogni persona che ho incontrato, tutte le cose che ho imparato prima di essere qui, è realmente stupende. Ed ancora, è soltanto l'inizio di una lunga vita con Daniele e la sua famiglia. Sono sicura di una cosa, avrò una bella e felice vita di cane.